Paysan rencontré à l'aube sur une route perdue de l'Inde du Sud, votre vie s'écoule insensiblement, rythmée par un temps qui ne se mesure pas comme le nôtre, en minutes et en secondes dont nous pensons que chacune a sa valeur. À ce moment de notre voyage, nous vous avons presque rejoint. Il faisait très chaud. Dans cette période qui précède la mousson, la vie active se condense dans les premières et les dernières heures de la journée. Nous avions quitté les grandes routes et renoncé à tout itinéraire. Notre voiture était devenue comme une embarcation dont on aurait coupé les amarres. Nous nous laissions glisser au hasard, couchant n'importe où, sans autre but que de nous perdre dans l'immensité des villages indiens. Par force, nous étions devenus végétariens, puisque personne ici ne mange de viande. Nous vivions presque comme eux. L'Europe était loin, nous ne recevions ni courrier ni journaux. Nous passions des journées entières sans filmer, comme si ce n'était plus le film qui était important. Débarrassé de mon inquiétude, de mon insatisfaction habituelle, je vivais au présent. Nous avions envie de vivre les choses et non plus de les comprendre. Ainsi ces prêtres qui officient sur une plage à côté d'un temple, des gestes dont le sens nous échappe. Mais ça n'a plus d'importance. Sans les comprendre, nous sommes en relation instinctive avec ces hommes et ces femmes. Nous partageons leur accord avec la nature. En nous laissant aller avec eux, nous avons l'impression de retrouver quelque chose que nous avions perdu.
Kevalam Jnanamutim Dundvatitam Gagana Sadrusham Tattvamasyadilakshyam Yekam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam. Rien ne me choquait plus parce que j'acceptais cette autre façon de voir le monde. Il ne s'agit pas d'expliquer et de dominer l'univers, il s'agit d'en faire partie, de s'y intégrer. En les regardant accomplir ces gestes simples, comme des rites, il me venait parfois des pensées bizarres. Si le bonheur se définit comme un équilibre, une plénitude, un accord avec ce qui nous entoure, une paix intérieure, alors ces paysans indiens seraient plus heureux que nous, qui avons détruit la nature, qui nous battons avec le temps dans une course absurde au bien-être matériel, et qui ne sommes égaux finalement qu'en solitude. L'homme doit se perdre dans l'univers comme un éléphant dans la forêt, comme un poisson dans l'eau, comme un oiseau dans le ciel, dit un texte. Aux sources de la rivière Cauvery, le grand fleuve sacré de l'Inde du Sud, un jeune prêtre accomplit le rituel de l'aube. Il y a quelque chose de magique dans la précision de ses gestes. Swatmanamevatmayam tasmai shri guru murtaye namayidam shri dakshina murtaye. Asare samsare visati visane ghora vipane vishale kailesat smarati bhuvanayatam ram shivam brahme tattvam tattvarupam mahodharau adanyate tattvamasiti vyak Yasumanoya Bhutana Vikasamakasha Panjabhutena Paramavrutena Yogena Yoga Panchamena Vritauravanyam Om Shanti 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 Tattvamasiti vyakyasumanoya bhutana vikasam akasha panjabhutena paramavrutena yogena yoga panchamena vritauravanyam Shanti, Shanti, Shanti. Vade bhade, Obama va. Devadeva,
Je finis par tout accepter, par accepter de tout voir sans sourciller. Un après-midi, nous avons la vision irréelle de cet homme poussant une machine à coudre sur une route déserte. En France, ce serait un acte surréaliste. Ici, nous regardons sans rien dire. Comme dans les rêves, comme dans la drogue, nous faisons un voyage hors de la raison. Et je finis par me demander si le hasard a bien sa part dans tout ça. Lundi 9 avril, nous sommes arrivés à Trivandrum, capitale du Kerala. Nous y avons retrouvé le courrier, les journaux, les problèmes. Notre échappée hors du temps est terminée. Et pourtant, au plein milieu de la ville, on retombe dans le fantastique. Chacune de ces chauves-souris mesure un mètre d'envergure, ailes déployées. Personne ne les tue ni ne les chasse. On les laisse habiter leur arbre au beau milieu de cette ville moderne. Respecter la vie sous toutes ses formes, c'est une constante de l'Inde. Elle explique pourquoi tant d'Indiens sont végétariens et aussi le refus de certaines sectes de pratiquer l'agriculture. Le soc de la charrue, en s'enfonçant dans le sol, pourrait tuer des vers ou des insectes. Mardi 10 avril, nous ne sommes toujours pas réveillés. Au bord d'une route du Kerala, ces wagons de chemin de fer entassés les uns sur les autres, cette ferraille couleur de rouille qui se dresse dans le ciel, j'ai l'impression qu'ils ont toujours été là, qu'ils font partie du paysage, comme les ruines d'un passé disparu. La vérité est plus prosaïque. Un train de marchandises qui a déraillé au passage d'un pont. Il n'y a pas de mort, mais les dégâts sont importants. No!
En réalité, notre première impression était la bonne. Les chemins de fer indiens sont un vestige du passé colonial. Kipling et l'Angleterre victorienne. Pour assurer leur contrôle militaire et économique, les Anglais ont construit un grand réseau de voies ferrées qui demeure aujourd'hui encore le principal moyen de communication de l'Inde. Rien n'a beaucoup changé depuis leur départ. Les trains sont lents et souvent archaïques, gérés par une énorme administration qui est un état dans l'état. Le réseau indien est encore aujourd'hui deux fois plus long que celui de la Chine. Mercredi 11 avril. Ici encore, nous retrouvons le fantôme de l'Angleterre coloniale. Ces jeunes filles travaillent dans une plantation de thé, à 1000 mètres d'altitude dans les montagnes du Kerala. Ce domaine de 500 hectares appartient à une compagnie anglaise qui l'exploite selon les plus strictes méthodes capitalistes. Les ouvrières sont attachées au domaine, nourries et logées sur place. Leurs salaires sont très bas, mais elles économisent sou par sou pour se constituer une dot. Après quelques années, elles retournent dans leur village et se marient. Chaque ouvrière a un long bâton qu'elle pose sur le sommet des arbustes. Elle arrache les feuilles qui sont au-dessus du bâton. La cueillette a lieu toute l'année, au fur et à mesure que les feuilles repoussent. Le travail est planifié, le rendement est excellent. Il y a une petite usine sur le domaine où les feuilles sont séchées, triées et coupées. Le thé est ensuite expédié au port voisin de Keelon, où il est embarqué pour l'Angleterre. Ainsi, la beauté des gestes et du décor cache une forme particulièrement agressive de néocolonialisme. Comme souvent en Inde, on peut voir la scène de deux façons, c'est une question de regard. Vendredi 12 avril, un lac artificiel, des arbres à moitié dans l'eau, comme pétrifiés. Nous sommes à la réserve forestière et animale de Périyar. Il y a des milliers d'animaux, des daims, des sangliers, des bisons, des éléphants. Nous sommes restés quelques jours dans ce paradis. C'est un endroit magnifique pour passer des vacances. Seulement tout cela était faux et nous le sentions. Ce n'était pas la vraie nature, mais la nature préservée. En dehors de réserves comme celle-ci, il est presque impossible aujourd'hui en Inde de rencontrer des éléphants sauvages. Thank you.
redescendant vers la côte, nous filmons d'autres éléphants. Mais ce sont des esclaves. Ils travaillent dans un dépôt de bois attenant à une scierie. Il existe beaucoup de chantiers comme celui-ci dans le sud de l'Inde, où les éléphants servent de main-d'œuvre. Intelligents et dociles, très puissants, ils coûtent moins cher qu'un bulldozer ou un tracteur. Les éléphants ont presque disparu. En Inde, comme partout, l'homme est en train de détruire l'environnement, la vie naturelle et sauvage. Le monde moderne, la pression démographique, les nouvelles voies de communication, tout cela rétrécit jour après jour la surface des zones vierges. On défriche pour l'agriculture et l'industrie. Les hommes, devenus trop nombreux et trop puissants, repoussent peu à peu les animaux et les acculent à la mort. L'Inde du livre de la jungle, l'Inde qui était restée si longtemps le paradis de la vie sauvage, n'échappe pas aujourd'hui à cette règle. Pendant tout le voyage, comme de naïfs Européens à la recherche des lectures de leur enfance, nous avons espéré rencontrer un tigre. Dérision des dérisions, voici le seul tigre de notre aventure. Un tigre bien sage aux zoos de Mysore. Un tigre qui ronronne et que son gardien traite comme un gros chat. La vérité, c'est qu'il n'y a presque plus de tigres en Inde. On achève de tuer les derniers dans des espèces de safaris qu'on appelle ici des shikars. Si vous êtes très riche, si vous avez du temps, on organisera pour vous une grande battue à l'issue de laquelle vous devez mathématiquement tuer votre tigre. On aura tout prévu pour ça, même votre confort, même vos boissons fraîches. 200 personnes vous encadreront et rabattront la bête sur vous. On ira jusqu'à droguer le tigre pour qu'il vous soit une proie plus facile. Lundi 16 avril, près de la ville de Cochin, le long de la mer, nous découvrons un admirable paysage de lagons et de canaux. L'eau, les cocotiers, une infinité d'îles forment une nature mouvante où la terre et la mer se mélangent. Une image parfaite des tropiques, un décor pour filmer un roman de Conrad. Un rêve touristique garanti, encore intact pour le moment, mais qui ne tardera sûrement pas à être exploité. Thank you.
seulement entendu de loin. Il se tient sous les arbres, devant l'entrée d'un petit temple, au bord du lagon. Son visage est enduit d'un maquillage vert très vif. À la fois danseur, mime et chanteur, il raconte un épisode de la mythologie. Il faut revenir sur Terre. Le Kerala, où semble-t-il il fait si bon vivre, est en réalité un état surpeuplé. La densité y est de l'ordre de 500 habitants au kilomètre carré, un chiffre qui fait peur quand on sait qu'une grande partie du Kerala se compose de montagnes incultivables et presque inhabitées. Les industries sont presque inexistantes. Le port de Cochin, abrité par son île, est une rade naturelle qui a accueilli tous les navigateurs de l'histoire, depuis les Sumériens jusqu'aux Portugais. Aujourd'hui, il végète, dans une atmosphère mélancolique de comptoir colonial. Autour de la rade de Cochin s'alignent d'immenses filets, comme des toiles d'araignée suspendues sur l'eau. On les appelle ici des Chinese nets, filets chinois. Installés à poste fixe, on les plonge dans la mer, puis on les remonte à l'aide de contrepoids faits de grosses pierres suspendues. Tant que dure la marée haute, les hommes inlassablement montent et descendent les filets. C'est beau comme une carte postale, ce sera d'un attrait certain pour les touristes quand il y en aura, mais le résultat est maigre. Et les quelques poissons qui remontent dans le filet sont encore l'enjeu d'une bataille entre les oiseaux et les hommes. On pêche aussi au Kerala de façon moins archaïque. Le gouvernement a fait de gros efforts pour développer la pêche au chalut en haute mer. C'est plus une nouveauté qu'on ne pourrait le penser, car tout au long des côtes indiennes, les pêcheurs m'ont paru très réticents à s'éloigner du rivage. Ce n'est peut-être pas un peuple de marins. L'agriculture du Kerala ne produit pas assez pour nourrir la population. Il faut importer du riz et des céréales des autres états de l'Inde, ce qui crée des problèmes politiques considérables.
Les chalutiers ramènent en particulier des crevettes de bonne qualité qui sont traitées dans cette petite usine. Triées, mises dans la glace et empaquetées, elles sont ensuite expédiées en avion vers l'Europe. La main-d'œuvre est exclusivement féminine. Avec la surpopulation et le chômage qui sévissent ici, rien n'est mécanisé. Ces très jeunes ouvrières au coude à coude sont catholiques. Presque tous les chrétiens de l'Inde sont concentrés au Kerala. Ils représentent près du quart de la population de l'État. Cette communauté serait très ancienne, puisqu'elle prétend remonter à saint Thomas l'apôtre, venu ici d'après la tradition convertir les Indiens. Mardi 17 avril, nous retournons dans les lagons. Dans ces villages où l'agriculture n'est presque rien, les paysans vivent des cocotiers. Même l'écorce des noix de coco est utilisée. Les villageois la font tremper dans l'eau pendant 6 mois, puis ils la battent pour en détacher la fibre que les femmes ensuite démêlent et filent sur des rouets primitifs. Ce n'est pas une matière de premier choix, mais on en fait de la ficelle ou des nattes grossières. Tirés parti de cette industrie archaïque, qui est une de leurs principales ressources, certains villages se sont groupés en communautés de production, embryon d'un système collectiviste. Mais ici, comme la plupart du temps, la production est contrôlée par des propriétaires et des marchands qui possèdent les cocotiers et auprès de qui les paysans sont endettés. Ce paradis tropical est aussi un enfer. Ces paysans, misérables et exploités, sont pourtant les plus évolués de l'Inde, les plus instruits. Le taux d'alphabétisation du Kerala est le plus élevé du pays. Il n'est donc pas surprenant qu'ils soient aussi les plus politisés. C'est ici et au Bengale que se trouvent les partis communistes les plus importants de l'Inde. Le premier ministre du Kerala est communiste. Je me suis posé beaucoup de questions sur les communistes indiens. Tout au long du voyage, j'ai interrogé des dirigeants sur leurs forces réelles dans le pays, leurs tactiques, leur division en deux grands partis rivaux, qu'on appelle bizarrement ici communistes de gauche et communistes de droite.
Sur cette scission qui a eu lieu en 1966, j'ai interrogé M. Nambudiripad, Premier ministre du Kerala et communiste de gauche. As a matter of fact, it was on the issue of the internal policies. That is the question of the relations. Ce sont des problèmes de politique intérieure qui ont provoqué cette scission. Certains d'entre nous voulaient collaborer avec le parti du Congrès, le parti qui est actuellement au pouvoir à Delhi. Nous avons rompu avec eux. Pourtant, on m'avait dit que les communistes indiens s'étaient divisés en pro-russes et pro-chinois. Jyoti Basu, secrétaire général des communistes de gauche du Bengale, rejette cette explication. Je ne crois pas que le conflit idéologique qui s'est produit dans le mouvement communiste international soit la cause de notre scission. C'est une explication qui sert la propagande anticommuniste. Madame Gauri Thomas, ministre de l'alimentation du Kerala, est un exemple pittoresque de cette scission. Elle est communiste de gauche, tandis que son mari, T.V. Thomas, également ministre dans le même gouvernement, est communiste de droite. On raconte que ça ne les empêche pas de former un ménage très uni. Les communistes ne sont pas seuls au pouvoir au Kerala. Nambudiripad est à la tête d'un ministère de coalition qui groupe des marxistes et des non-marxistes. Il est donc obligé de faire des concessions. Les différents partis de la coalition se sont mis d'accord sur un programme minimum pour tenter de résoudre les problèmes les plus urgents du Kerala. Nous avons abandonné pour l'instant les objectifs révolutionnaires de notre parti. Mohamed Koyas illustre le paradoxe de ce gouvernement de coalition. Il appartient à la Ligue musulmane, qui représente les intérêts politiques de la minorité musulmane du nord du Kerala. La Ligue était auparavant alliée au parti du Congrès. Aujourd'hui, Koyas est ministre de l'éducation du gouvernement Nambudiripad, mais idéologiquement, tout le sépare des communistes. Après les élections de 1967, 9 des 17 grands États de l'Inde ont connu des gouvernements de coalition comme celui-ci. Leur seule unité, c'est d'avoir un grand ennemi, le Congrès, le parti qui domine la politique indienne depuis l'indépendance, le parti de Gandhi et Nehru, aujourd'hui affaibli et divisé, mais encore très puissant. Ces coalitions anti-Congrès, trop hétéroclites, ont eu des fortunes diverses. Elles vont parfois des partis d'extrême droite aux communistes. Ceci se justifie par des considérations tactiques. Nous devons entrer au Parlement, nous devons participer aux élections, mais en même temps, nous devons accroître nos activités extra-parlementaires. Dimanche 15 avril, grande manifestation communiste à Trivandrum, capitale du Kerala. Cent mille paysans venus en camion se rassemblent sous la pluie et vont défiler dans un ordre impressionnant. La manifestation a deux buts contradictoires. D'une part, soutenir Nambudiripad et son gouvernement. C'est presque un défilé officiel avec l'appui du pouvoir. Mais d'autre part, les slogans réclament une vraie réforme agraire. Cette revendication révolutionnaire n'est pas au programme actuel du gouvernement. Seuls les communistes la soutiennent. La contradiction va plus loin encore. Nambudiripad, Premier ministre, essaye par tous les moyens d'implanter des industries nouvelles au Kerala. Il doit donner aux capitalistes, plutôt inquiets, des garanties de stabilité sociale. Mais Nambudiripad, chef du Parti communiste, ne peut pas combattre les grèves et l'agitation syndicale. Je ne crois pas que nous arriverons à nos fins dans le cadre de la démocratie parlementaire. Un jour viendra où les paysans dans les villages devront s'organiser et collaborer avec le prolétariat urbain. C'est seulement par cette action commune que les choses changeront. Thank you.
Gopal parle au futur. Pourtant, en regardant défiler ces milliers de paysans parfaitement encadrés, je me dis que le grand soir est proche. Une révolution de type maoïste semble inéluctable. Mais je sais que le Kerala est une exception. La paysannerie sur l'ensemble du pays est très peu politisée. Il y a cependant des révoltes agraires à l'échelon local. L'une d'elles, qui a eu lieu en 1967 à Naxalbari, au nord du Bengale, a provoqué de nombreux remous chez les communistes de gauche. It was really a big peasant movement, no doubt. But on that basis, we feel that a healthy peasant movement. C'était un mouvement paysan sérieux, sans aucun doute, mais nous pensons que ce mouvement a été dévié par certains de nos camarades qui se font appeler maintenant le groupe de Naxalbari. Nous les avons expulsés du parti parce que nous les considérons comme des aventuriers, des beaux parleurs, qui n'ont aucune base réelle chez les paysans. Ils auraient entraîné notre parti dans une catastrophe. Ce langage me rappelle quelque chose. Les communistes indiens ont leurs gauchistes et ils les jugent sévèrement. Vous voyez, le mouvement de Naxalbari, tant qu'il se limitait à une action pour obtenir le partage des terres, tant qu'il restait un mouvement contre les propriétaires terriens, pouvait réussir. Malheureusement, les leaders ont essayé d'en faire une insurrection armée pour s'emparer du pouvoir. Mais dans une partie d'un district, à l'échelon purement local, prendre le pouvoir, c'est impossible, même si vous avez des armes. Ainsi, Akka Gopal, qui est cependant un leader paysan, ne croit pas aux chances d'une insurrection de type maoïste. Madame Rangekar, conseillère municipale de Bombay, est tout aussi formelle. Le peuple indien, pour l'instant, ne croit pas que l'insurrection armée soit la bonne solution. Ils ont confiance dans la démocratie parlementaire, et nous devons en tenir compte. Les paysans ne sont pas prêts pour une lutte armée qui entraînerait une terrible répression. Notre parti serait interdit, ce qui ne résoudrait aucun problème. Vous savez, il y a une grande différence entre l'Inde et la Chine. Quand les Chinois ont fait leur révolution, c'était un pays essentiellement agricole. Il n'y avait ni industrie, ni chemin de fer, et la police ne pouvait pas intervenir dans les campagnes. Alors qu'en Inde, aujourd'hui, l'industrie et les communications sont hautement développées. Chaque pays a ses caractéristiques et il est impossible de prévoir quelle forme prendra la révolution en Inde. Les affirmations de Mme Rangekar me surprennent un peu. Entendre dire que l'Inde est hautement industrialisée quand on sait que les 4/5 de la population vit dans les villages vous laisserez penser que ces communistes orthodoxes n'ont pas vraiment envie d'une révolution paysanne. Depuis mon retour, il s'est créé en Inde un troisième parti communiste, ouvertement soutenu celui-ci par les Chinois, dont la radio traite les Nambudiripad et les Bassous de laquais de l'impérialisme. Ce troisième parti, venu des scissions provoquées par l'affaire de Naxalbari, est partisan d'une action armée immédiate. Ce qui s'est fait au Vietnam peut se faire en Inde. Thank you.
Nous nous sommes arrêtés, bien sûr, et nous avons suivi l'éléphant. On lui a mis sa tenue d'apparat. Éléphant sacré, il appartient au temple voisin dont c'est la fête annuelle. Il va de maison en maison. À chaque arrêt, on lui rend un culte, puis on le nourrit. Dans cette région où presque tout le monde a faim, on lui a préparé dans chaque maison un seau de grain. On me dit que ce village est communiste. La fête du temple n'en est pas célébrée avec moins de ferveur. Je repense à une information lue dans un journal de Calcutta. En raison de la fête de la déesse Sarasvati, les meetings du Parti communiste de gauche, prévus dans différents quartiers de banlieue, sont remis à la semaine prochaine. Il est facile de comprendre pourquoi les communistes indiens ne s'attaquent jamais de face à la religion. Cette fête triste, c'était bien sûr une impression subjective. À force de constater la multitude des contradictions indiennes, je ne voyais plus que l'aspect dérisoire des choses. L'éléphant, sa tournée terminée, rentre au temple. Tout le village est là. De jeunes villageoises se tiennent à l'entrée du chemin du temple, le visage couvert de poudre de riz. Elles attendent un ministre qui a promis d'assister à la cérémonie. Un ministre communiste. Il est en retard. Jeune paysanne au regard fixe, qu'attendez-vous vraiment? Je n'ai toujours pas compris.